Bonjour à tous les participants au Festival international de la poésie, Poésie, perles de la pensée. Moi, je m'appelle Mirza Galina, je suis enseignante de français, j'ai 65 ans et j'enseigne le français aux étudiants du Collège national de commerce de l'Académie d'études économiques de Moldova, de la ville Chișinău, République de Moldova. Aujourd'hui, je voudrais vous réciter une fable. L'écrevisse amoureuse de Jean Anouilh. Une écrevisse sanglotait. Elle était tombée amoureuse. Et elle savait bien que celui qu'elle aimait n'aimerait jamais une gueuse incapable de marcher droit. C'était le pasteur de l'endroit, un jeune homme candide et roux, aux mollets lisses, dont l'innocente distraction, le dimanche, était précisément la pêche aux écrevisses. Elle aimait ses deux fortes jambes blanches quand il pataugeait, troussé aux genoux. Elle aimait ses petits poils roux. Elle le regardait passer l'air en dessous, tremblante du désir d'enfin se laisser prendre. Pêcheur maladroit, chère petite andouille, qui reste bredouille, sans savoir que moi. Ah, si quelqu'un, Jeannette, avait pu lui apprendre. Elle alla trouver une vieille anguille qui rendait service aux filles du coin lorsqu'elles en avaient besoin. Alors, ma belle, dit l'autre, la voyant s'avancer de guingois, on a encore fouetté, on vient trouver la vieille, c'est ton an au bout de 3 mois. Dit en rougissant encore plus l'écrevisse, je viens vous demander un tout autre service. J'aime et peux être aimée, je crois. Je veux apprendre à marcher droit. Ah, trop tard, ma belle, dit l'anguille. Il fallait y penser, pucelle. Vous êtes drôles, vous, les filles. Vous prenez du bon ton. Et puis, vient un curé qui vous plaît. Vous voulez être la Sainte Vierge. Essayez d'aller brûler un cierge. Mais moi, je t'ai dit, quand bien tu le voudrais, tu ne pourrais plus jamais marcher droit. Elle prononçait comme dans les fables. Désespérée d'être à jamais coupable, le soir même, l'écrevisse se laissa prendre par un polisson du pays, dont le père avait justement une politesse à rendre. Ravi de la pêche du fils, l'homme invita les notables, dont le pasteur à sa table. On apporta le plat fumant. Monsieur le pasteur, prenez la plus belle, c'est à vous l'honneur, dit l'amphitryon. Riant niaisement, le pasteur glouton la prit, la mangea, clamant: « Que c'est bon!
de la salse jusqu'aux prunelles. C'est ferme et tendre, c'est poivré, c'est juteux. Il suçait, ça m'étend partout, roulant les yeux. Oubliant toute retenue, gémissant d'une voix émue. La mignonne fait mes délices, la mignonne fait mes délices. Jamais, messieurs, jamais vraiment. Dieu sait si j'en ai mangé des écrevisses, même à Paris, dans les restaurants les plus chers. Je n'ai joui autant de la délicatesse incomparable de leur chair. Celle-ci est d'une finesse. Dévorée par son cher pasteur, l'écrevisse, enfin, connut le bonheur. Le Seigneur a toujours pitié des pécheresses.